Bah, il est évident que tout le monde ne peut qu'adhérer à une argumentation qui est voilà, pourquoi ferme-t-on un site qui gagne de l'argent, qui a un savoir-faire reconnu mondialement? Quand on part avec ce genre d'argument, on a forcément une mobilisation autour de nous et on a un soutien de bien des gens. Vous parliez alors au niveau de la ville de Ham, c'était l'incompréhension, puisque ça a été l'incompréhension au niveau des salariés, donc évidemment on est descendu au niveau de la ville de Ham. Quand on a expliqué la situation, même au niveau politique, en premier lieu aux députés des circonscriptions, qui effectivement n'a pas compris qu'on pouvait avoir ce genre de situation-là. C'est pour ça aussi qu'évidemment, il est plus facile aussi quelque part pour eux de se mobiliser pour une cause comme celle-là. Et ensuite, ben, ça tout a découlé jusqu'à l'État lui-même qui effectivement demande des comptes à Pintère. En fait, dès le début, à l'annonce du 15 ou du 16 décembre, il était inadmissible que le site ferme. Donc ça a été l'objet du combat de tout le monde, c'est que Pintère révise sa position, qui était une fermeture totale du site. Il ne voulait pas entendre parler de revendre l'activité, de revendre le site avec ses produits. Et c'était de faire bouger ce mur. Et c'est ce qui s'est passé. Toute la mobilisation qui a été faite nous a permis d'avoir une ouverture chez Pintère qui parle maintenant de repreneurs. Donc parmi ces repreneurs, ben, voilà un certain nombre de salariés. Il y a un projet qui se met en place pour participer, au même titre que d'autres repreneurs, à la reprise de ce site. C'est la bagarre future, c'est-à-dire que Pinter nous a annoncé avoir l'intention de laisser sur le site un certain nombre de produits en cas de reprise. Et nous avons quelques gammes sur lesquelles il y a des points d'interrogation qui subsistent. Et donc nous sommes en train activement de pousser Pinter à accéder à notre demande qui est de laisser ces gammes de production sur le site.